Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bien salut tout le monde, c'est YpetGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les commandes blocs. Une commande qui est assez stylée, que j'ai découvert et qui fait penser vraiment à la version PC, qui est maintenant disponible sur Minecraft Pocket Edition. Donc c'est toujours la version la alpha, hein, la bêta tout simplement, de la 1.0.5. Donc c'est parti, regardez, quand vous cliquez sur ce bouton, hop, regardez le titre qui s'affiche sur votre écran. Il est marqué like et c'est pas du tout au montage, que je l'ai rajouté. Alors hop, j'ai cassé ce bloc. Voilà, donc regardez dans le chat, est marqué la commande a bien été effectuée. Donc c'était simple. Vous m'avez aussi demandé si on pouvait activer les commandes blocs avec les plaques de pression. Et ben oui, voilà, on peut les activer. Donc c'est très simple. Si vous avez dans le commande bloc, il est marqué slash title arrobas p title et puis le texte tout simplement. Alors pour faire ça, c'est très simple. Donc il vous suffit tout simplement d'un commande bloc, vous rentrez dedans et vous mettez la commande soit slash, donc vous n'êtes pas obligé encore une fois de mettre le slash, soit vous mettez directement slash ou sans le slash, du coup, title, comme ceci, donc title, voilà, hop, le titre en gros, vous mettez arrobas p, ou arrobas a selon vos envies, et marqué là, pour cibler tous les joueurs, c'est arrobas a, etc. Et ensuite, après le arrobas p, vous allez mettre juste, alors s'il te plaît, voilà, title, comme ceci, title, voilà. Et là vous allez mettre un texte. Moi j'aime bien le mettre en couleur parce que ça ressort. Pour le mettre en couleur c'est très simple, vous choisissez juste ce signe là, donc qui est le signe paragraphe, voilà. Et puis vous mettez une lettre, donc soit A, soit E qui est en jaune, soit G qui fait rien du tout, soit D qui est en mauve, soit Q, ça fait rien. Voilà, donc vous avez pas mal de couleurs. Là on voit le K, et là par exemple vous mettez like, comme ceci, voilà. Et alors du coup quand vous allez, hop, par exemple mettre un bouton ou une plaque de pression, alors plaque de pression ici, voilà, regardez quand vous activez, voilà, ça fait un espèce je sais pas comment appeler ça, voilà. Donc vous pouvez aussi faire plusieurs combinaisons. Là j'ai mis le signe paragraphe avec le L qui fait les lettres en gras, et j'ai ensuite remis un signe paragraphe pour mettre la lettre A pour écrire en vert. Et du coup si jamais je clique sur le bouton, regardez, voilà, ça s'écrit en gras et il est marqué salut. Contrairement à celui-ci où il était marqué like. Donc ça va vraiment, vraiment vous être utile pour vos maps. Quand vous rentrez dans une pièce, il y a des plaques de pression, vous passez à une porte et là hop directement vous allez voir la commande, etc. Et il est marqué salut. Donc là je vais mettre ça après, ensuite là pour mon laboratoire. Et donc ça va être super. Du coup regardez, nous allons rentrer dans notre laboratoire. Donc on a la première PS tranquillement, avec ici les portes en fer. Et quand on rentre juste ici, regardez, hop, la commande s'effectue et bienvenue. Et voilà, il n'y a aucun aperçu des commandes blocs, vu qu'il n'y en a aucun. C'est bien dissimulé, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment stylé pour vos maps aventures, etc. Donc c'est parfait. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai plein de commandes encore qui vont arriver. J'ai plein de trucs à vous montrer. C'est vraiment extraordinaire qu'ils ont rajouté ces commandes blocs. Du coup, n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires pour des tutoriels, pour des choses, etc. Il y a plein de tutoriels Redstone qui vont arriver maintenant grâce à ces commandes blocs. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était YpetGamer172. Allez, bye tout le monde.